Abbé Jacques Ganga, Abbé Ngwabi, avec la foi on peut déplacer les montagnes. A Georges Mercho. Nzela mokonzi ezali alima. Kasi basumuki bako tuta mabuku. Bato amité mamabe, repentez-vous car le roi de Dieu est bon. Ne blaguez pas avec ma personnalité, car vous avez tous été révoqués. Motif, non-respect à la femme du patron. Hé, hey, yo, et ce yoga qui compte en chinois? Renaud Diniébé. Préconçu, on s'est trouvé sur plein de projets et tout, tu vois. C'est chill. Bah, c'est mais ah nous, ouais. On est là. Mais c'est parce que vrai, nous, on est depuis longtemps en plus, toi. Mais chill, nous, on va faire une collab bientôt. Mais tu sais, j'aime bien, j'ai passé du temps avec Juice. Mais en fait, moi, tout le monde. MC Guillaume, c'est aussi notre ouais, préféré. Guillaume, hein. Et bah, justement. Guillaume, moi, je l'aime. Monsieur Guillaume Janton. Parce qu'on parle de Guillaume Janton, mais voilà, monsieur Guillaume Janton. Ah bah attention, Guillaume qui est MC de Janton. MC de Janton déjà, journaliste qui a de renom. Non mais incroyable, c'est-à-dire que moi il y a même quelques années, on entendait qu'il y avait un petit de 11-12 ans en province qui interviewait les rappeurs, tu vois, qui faisait de la radio et qui interviewait tous les rappeurs. Et les gens disaient, ouais, il y a un petit de 11 ans là, il m'interviewait, il déchire. C'est Guillaume Janton. C'est vrai. Et il est producteur, réalisateur, journaliste, évidemment, on le retrouve chez Cyril Hanouna dans TPMP. Et voilà, mais il fait un milliard de choses. Il n'a pas de temps. Comment vas-tu? Ouais, il n'a pas notre temps, mais pas du, enfin en tout cas, il n'a pas le mien, tu vois. Non, ça va très bien. Je suis très déçu qu'on m'ait pas proposé de faire un petit freestyle. C'est limite vexant. Vas-y, je t'en prie. Un 8. C'est ton moment. Vas-y, c'est à toi. Y a pas quelqu'un qui peut faire le beat, un truc comme ça? 3, 4. Ouais, ma gueule. Ouais. Voilà. Ça, c'est un extrait de mon prochain album. Ça, c'était un extrait céleste. T'as pas le titre? Non, après, faut payer. Genre. C'est gratuit, ça. C'est comme ça qu'il se fait. Elle est où la moulaga? On a capté. Guillaume. Oui. Pourquoi cette. Cette envie, parce que c'est vrai que les gens te connaissent d'une certaine façon, tu fais un milliard de docs, de reportages, etc. Mais c'est vrai que les gens te connaissent pas sous cet angle-là, en fait, alors que tu connais très bien le rap et depuis très longtemps. Ouais, moi je suis habitué à faire pas mal de projets assez mainstream sur des chaînes plus mainstream. Non, étant passionné de rap depuis l'âge de 12 ans, je faisais une émission, j'avais interviewé d'ailleurs Booba à l'époque, tous les artistes qui étaient sur le devant de la scène à l'époque. Bah, j'avais envie de faire un projet autour du rap et je me suis dit que le rap féminin c'était un sujet intéressant sans tomber dans les écueils dont vous avez parlé il y a quelques instants. Donc voilà, c'était un super projet et je suis très fier parce qu'au-delà du titre qui est chamé, au-delà du groupe, j'ai l'impression qu'on a vraiment créé une cohésion entre les artistes qui se voient en dehors. Donc on est très fier de ça et je suis très content d'avoir pu bosser avec toi aussi et avec Stéphane de Freitas qui est un super producteur, super réalisateur aussi. Ouais, je suis très fier. Extraordinaire Stéphane qui a On t'embrasse Stéphane. Bisous, mon Stéphane qui est Le producteur céleste. Un homme altruiste, voilà, exactement, et qui
qui a, je rappelle, fait le documentaire, le film documentaire Voix Haute, ouais, et qui a créé les concours Eloquentia, et la plateforme de troc qui s'appelle Indigo. Et vraiment, allez télécharger cette appli parce que c'est une appli solidaire et qui est super importante, franchement. Ce doc, toi, tu dirais quoi, toi, de cette expérience? Parce que toi aussi, tu étais en train J'étais de gérer l'expérience de l'équipe à gérer quand même. Alors, non, ce qui est intéressant, c'est que nous, évidemment, au-delà du titre, on raconte la vie des artistes. Donc, on a suivi certaines des filles dans leur vie. Mm-hmm. Mais il y avait un vrai enjeu, c'était la création du titre. C'est-à-dire que pour de vrai, on était 4 jours dans cette maison. Il y avait 4 jours pour faire un titre. Et on va pas se mentir, les premiers jours, le premier jour, c'était un peu chaud. C'est-à-dire que pour nous, artistiquement, c'était parfois un peu compliqué. Donc, il y avait un vrai enjeu. Nous, on va pas se mentir, on s'est dit à un moment. Est-ce qu'on va sortir le titre ou pas? Voilà. Et donc ça, c'était assez cool. Donc il y a un vrai enjeu dans le doc. Et le film, voilà, il n'y a pas que le titre. Il y a aussi la vie. Vous allez découvrir des artistes qui sont incroyables, leur parcours, leur galère parfois. Et c'est un film qui est mortel. Voilà. T'en es fier? Je suis très très fier. Yes. Oh, c'est moi ça. Un truc à dire à Guillaume quand même, peut-être. Merci. Grâce à toi, j'aurais pas rencontré Bianca. Grâce à toi, j'aurais pas rencontré Vicky R, Juice. Il y a un partage. Il y a un truc, tu vois. Genre moi j'étais trop je voulais pas de femme dans ma vie. Je voulais pas sortir de ma zone de confort. Là, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. J'ai même pas envie de regarder dans les yeux, sinon je vais pleurer. Voilà, je t'aime bien, mon ref. Voilà. Et je te galoche, frère. Je te lèche le pec. Calme-toi. Non, mais vraiment, c'est une révélation. C'est la révélation de mon année. Vraiment, pour parler plus sérieusement, merci. J'ai juste un merci. Juste un merci. C'était. On parle beaucoup avec David. Ouais, ouais, vraiment, c'est ouais. En fait, c'est devenu sur vraiment la famille, tu sais. Il y a des liens entre nous, tu vois. C'est plus genre, on est sorti du contexte de l'équipe. Ouais. Mmh. Non, ouais. Une famille. Une famille. Une famille. Moi, franchement, je dirais merci aussi, mais tu veux pas passer le permis un peu? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est Chila qui me conduit. Avec les voitures que t'as, que je ne prononcerai pas, mais t'as pas le permis. Ouais. Avec tes voitures. Ouais, c'est vrai. Mais t'es pas sérieux. Je suis pas capable de conduire, en fait. C'est vrai. Non, mais ouais. Franchement, merci Guillaume, merci pour tes Ken, parce qu'il y en a une, elle s'est fait corriger correctement. C'est vrai. Parce qu'on a beaucoup joué à la PlayStation. À la PlayStation. Ah, d'accord, voilà. Parce que là, je me suis dit, mais j'ai. Elles sont très, très fortes. Moi non plus, j'ai pas la ref. Ah, et pourtant. Très, très forte à FIFA, Vicky. Oui, parce que j'ai gagné contre, je ne dirais pas qui, mais en tout cas, sachez que je suis propriétaire de Gentilmon Production. Moi, je veux bien. Je suis associée avec toi, c'était propriétaire. Exactement. Non, mais ouais, franchement, merci Guillaume, merci Stéphane, merci toute la team Genton, parce que c'était vraiment une grosse. Une grosse expérience de vie. On va arrêter la boucle parce qu'on a perdu David Nord et Bianca, du coup, tu vois. Non, mais c'est la première fois qu'on Ah oui, tu sais, Juliette. Tu disais, c'est des images de vie, c'est des histoires. Ouais, non, c'est une expérience de vie. Si je pouvais la vie, revivre, on refait. 100 000 fois dans la vie. On refait. Je le revivrai à fond. De ouf. Vraiment. Là, demain, Guillaume, il nous appelle, on claque tout dans nos vies. Ouais, moi, je claque tout, moi. Guillaume, quoi? Eh, il a chamboulé ma life. Regarde, on va faire la saison 2. Reine 2. Ah, ouais. Reine number 2. Ouais. Reine saison 2. Reine 2. Ouais, Reine 2. Moi, je suis chaud. Ouais. Je suis chaud. Eh, ça y est, il a déjà vendu l'idée à une chaîne. C'est déjà diffusé, toi. Ouais, t'es chaud, toi. T'es intelligent quand même. Hein. T'en as là-dedans. Guillaume, avant qu'on se quitte avec le titre live, est-ce que t'as un message universel à passer, toi? Parce qu'après, je vais reprendre l'équipe, les filles, et j'aimerais qu'elles passent aussi leur message. Mais toi, quel serait le message? Parce que t'es jeune en vrai, Guillaume. Ouais, et très jeune, c'est vrai. T'es jeune, on va faire ton légende urbaine à toi, bientôt. C'est vrai? Ouais. Ah, bah si. Ouais, c'est obligatoire. Bah, t'as intérêt à te mettre au robe quand même, là. T'as été un peu léger. Mais t'as quand même des docs qui arrivent, t'as des trucs extraordinaires, et ta vie mérite d'être racontée, parce qu'elle est inspirante. T'es archi légende. Jeune encore. Non, bah si. Bon, après, de mon point de vue, on est bien d'accord. Ouais. Ok, tout est relatif. Tu joues un peu l'ancien, quand même. Quel serait le message universel que tu auras à passer? Non, mais qu'en tout cas, avec ce documentaire, on a fait tomber, je pense, plein de préjugés, plein de clichés qu'on peut avoir autour du rap et du rap féminin. Donc voilà, le message, c'est de regarder ce documentaire et vous allez découvrir plein de choses. Vous allez découvrir des artistes, mais aussi des femmes qui sont incroyables, qui ont des parcours incroyables. Et vous allez mieux connaître le rap, parce que ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui connaissent pas forcément le rap. L'idée, on a voulu pas s'adresser aux initiés, mais aussi à des grands-mères, à des mères de famille qui s'intéressent pas forcément au rap, mais qui découvrent que derrière ces artistes, il y a des femmes qui ont des parcours de vie qui sont super intéressants. Donc voilà.
On parlera du tien aussi bientôt. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci Guillaume. Et tu devrais faire de la télé, je trouve. Merci. Je connais un mec qui s'appelle Cyril Hanouna, je lui en parlerai. Je fais une petite passe d'aide. Non, ça marche plutôt bien pour lui, ça va. C'est pas mal, il se démerde. Il se démerde. Mais je crois qu'il pourrait être chroniqueur pour lui, je pense. Je lui enverrai un courriel. Un fax. Guillaume. Merci. Merci à toi. Merci Guillaume. Je vais tourner des zéniths prochainement. Avec la phrase là que tu viens de faire. Toutes les dates sont sur mon Snap. Avec Guillaume. Et nous. Exactement. Il y a des stands de CBD à l'entrée, hein, c'est ça? Tenu par Chila. Je savais, c'est pour Chila. Et en sortie de concert, vous pouvez tous vous faire une coloration aussi. Par Davina. Merci. Bisous. Merci à toi, Guillaume. Ciao. Si vous aviez un fac. Énergie totale. Merci. Anisel, Rodrigo Brodar, Amélie Mamana Junior, Yukambela Nangai Namosi Kangawaye, Olano Nangai Sangi Destination Ponayo, Celia Doia Mama, Nanya Kote Langawa, Naimwana na Sangi Sepu, Mokanini na Kende na Akima Bolingwe, General Quartier, Paula Bébé. African Luxe, la meilleure de taille. Monsieur Vertello, Monsieur Dossou, Monsieur Rodin Bombo, et la fille de Brazzaville. C'est Liango, mon commissaire n'a pas si mis à voler, mon cousin a qui a raïté. Et l'Igana est joli, la est pas les bolines, mon commis sans effet. Comment d'ailleurs, il en fait un mon nom, mon côté métier, Kali Molili. Parnasse en Hawaïon, alléluia. Atabato, Bakoufaka, na Hiroshima. Balela, Kabango, Motino, Yote. Atabato, Bakoufaka, na la guerre à 5 juin, na Sefa. Tolela, Kabango, Motino, Yote. Si c'était Fallo, on dirait Faïté Kazar. Pour que vous se calme, fassez-le mal. Aïe. Baba Mbemba Puli Wadwela Wangala Buwa Penzaba.
bébé a maya trapi soumé la di baba Denis Kenaka à Toronto. Bon arrivé maman, ça va? Ça va, ma chère. Ok. Nalingi, au Pessa, ba téléspectateur na yo mbote. Mena mongo mona yo, ou tu linga makasi. Ah. Ok. Na pesi bino mote mingi. Nalingi bino na mote manangai. Boya na mote mangai. Merci. Merci beaucoup. Alors, Cheryl, depuis pratiquement 1996, rencontre Nayo Naba Tissoul, Maison Eliboso où il produit Rayo. Est-ce que tu savais que Aventure Nayo n'y est qu'une musique? Si, pourquoi pas. Naye Baki. Et histoire d'Angengao qui est musique, on a ébaki parce que après la dissoul, j'ai eu quand même à faire beaucoup de choses. On a réalisé ma Kamebele, on a participé à Nanoya Beyond et on a mis ici album on a salé autoproduction Okira. Donc voilà. Et à l'époque, Tamozo Banda, ma collaboration Pégué et Bélé, on se rappelle justement ma collaboration n'a pas passé, n'a pas Jacob Devarieux, Jacob Devarieux, Fali Poupa, Fali Poupa, Youssoufa, Roga Roga. Oui. Voilà. Et le tout dernier aussi avec Lévisson. Tu avec continue, Lévisson. Tu continues à prêter ta voix aussi. Salut à, mon frère, voilà. Lévisson. T'as pas sollicité Kayo au bout de la réalité. Bon, on me dit que Tango Lévi a Benguenga la CPLAKI, parce que normalement ils ont la Kabongo. Tous entre nous les artistes, bisoupe tous un talent. J'indexe même un truc à mon frère Roga, Roga Roga. Bon là je le dis hein, parce que national bac les, il y a photo une balle sur une balle.
Oh chérie, oh yo, oh, ton sang du sol, t'inquiète, mais tu l'as là, c'est là, caca. Mais au parti, ça parle même là, na yé na. Voilà, la kené go aider na bakeur. Na bakeur. Ça là, moi. C'était quelle chanson que le. Tobo sana mensonge caca là. Tobo canyon c'est un bien fou. Bona Congo yanga na yo kende se liboso. Unité nationale. Formidable. Voilà. Donc, il y a eu Biango, Tokine, il y a ma divape. Voilà, bon, Ngape Nazaki, présence d'Anga Chiri les Alaki. D'accord. Donc, tu es là, l'autre fois, on était ensemble, dans le bac, il y a moi-même. Hein. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et... Donc, tant que Lévi à Benginga, il y a ces pédagogues qui tiens, il y a aussi des artistes comme ça qui veulent faire des trucs avec leurs sœurs artistes aussi. Donc, il y a ces pédagogues. Il fallait quand même que nous soutenir. Je ne suis pas dans son orchestre, mais Azam ou ta groupe n'a été. Et donc, va solliciter au cas. Va solliciter, nga. Na kepe, na yemlinande konanga. Donc, Naza pona moto tout. Donc, Roga Kobenganga, Keva Kobenganga, Fanny, Faya Kobenganga. Donc, moto tout à Kobenganga. Comme Baninga Peba Bingayo, comme on a cité tout à l'heure, ben, bah, Freddy Massamba fait au travail à pied. Oui, Freddy Massamba, tant que là, Kobin Salbom, Nanga et Abaracho, à qui depuis Poto, tant qu'il y a un studio, que tu vas mixer en haut. Tant qu'il y a eu qui dit, oh, ça c'est qui? Chérie Gombo, la Congolaise. Non, 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 moi je dois faire un truc. A Bengangate, dans cette idée qu'il a bas, il a fait, il a posé. Moi, quand j'ai écouté, je dis non, mais attends, il y a quand même un. Et ça, la bande de il y a eu mon salaire valeur à mon salaire baninga. Donc, lui, il a participé, et puis j'ai aimé, tout ça, les péclés. Voilà, normalement, c'est comme ça qu'on doit être. Les Parisiens généraux du Ballard, le grand prêtre qui va douter. Corombo Nangaï, Chintu Lokongara, Corombo Nangamo Susu Samantha Mingengenge, Bamista Nangaï, Piki Saidi, Titi Kelekelo. Je t'aime, Daniel et moi dans tes pays. Dieu merci, Lomboto, le mannequin de Wall Street. Mbongwe Kaboli, amitié na kati papa. Zimwe Kaboli, amitié na biteni mi bale. Yana Kinshasa, didon vita na pario. Mbongo de nanie, nokie. Falanga joni niye. Mota Christo et koki koka bola. Lili la rêve, Mado spaghetti, Benjamin Béton. Mais, Mr. Komali, solo ya koko, mbele, mbele. Bob, Bokelo na Toronto.